Bonjour les amis! Et voilà un autre bricolage pour l'Halloween! On va fabriquer des marque-pages en forme de monstres. Alors, il n'y a vraiment aucune limite à ta créativité ici. La première chose qu'il faut faire, ben là, il faudrait que ton enseignante, maman ou papa, t'imprime ou copie le croquis que je vais mettre dans la description de la vidéo. Alors, tu as besoin de marqueurs, ciseaux, bâton de colle et d'un papier avec cette forme-là de croquis pour notre marque-page. Si tu regardes bien, ben peut-être que tu pourrais essayer de le dessiner toi-même. Parce que regarde bien, c'est un carré, puis il y a deux triangles qui sont attachés. Regarde ici, le carré, triangle, triangle. Cool, hein? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes ciseaux et tu découpes en suivant la ligne noire. Pas la ligne pointillée. La ligne pointillée est pour t'aider à plier à la bonne place tantôt. Donc là, tu as découpé ta forme pour le marque-page. Garde tes retailles parce que tu pourras les utiliser pour faire des cheveux ou des dents ou peu importe. Mais là, tu vas dire c'est la même couleur. Mais là, tu prendras tes marqueurs et tu peux toujours changer la couleur de cette page-là pour faire des dents et des cheveux. Alors maintenant, attention. Première chose que tu vas faire, tu prends le coin là, tu l'amènes à l'autre côté et là, regarde, il y a la ligne pointillée qui te guide. Voilà, tu plies. Maintenant, tu prends ton bâton de colle et tu mets de la colle à quelle place, Anna? Au milieu. Alors maintenant, tu prends l'autre coin et tu le plies par-dessus où tu as mis de la colle. Voilà. Et maintenant, elle est où la pochette? Voilà. Alors, comment tu utilises ce marque-page-là? Alors, tu vas prendre un livre. Et tu vas lire, et après tu es arrivé à une page, et tu rentres dans plusieurs pages, et puis tu as qu'il fermé, et quand il rouvre, tu vas tout de suite être à la bonne page. Maintenant, je vais prendre un crayon à la mine et tracer les dents. Et maintenant, je vais juste les colorier avec une autre couleur. Comme ceci. Alors maintenant que tu l'as colorié, tu vas le découper. Et maintenant, tu vas voir si tes dents vont passer dedans. Il faut. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre la colle. Et tu vas coller au-dessus. Donc juste dents. En haut un peu des dents. Et après ça, tu vas les mettre à l'intérieur de la petite pochette, c'est ça? Ouais. Tu vas le mettre dedans comme ceci. Voilà. Prochaine étape, Anna, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, je vais faire l'œil. Tu peux faire deux yeux, un œil. Moi, je vais faire un œil. Alors, j'ai mis des sourcils, ben un sourcil. Et maintenant, ce que tu peux faire, tu n'as pas besoin, tu peux mettre des petits détails comme des petits points ou même des petits ronds comme ceci. Ou des petits points comme celui-ci. Moi, je vais mettre des petits points mauves. Maintenant, c'est la dernière étape. Tu n'as pas besoin de le faire, mais je vais découper un petit morceau. Et je vais juste couper encore des plus petits morceaux. Et juste faire des petits cheveux. Ou tu les coloris après, mais tu mets quelque chose en dessous pour ne pas salir la table. Maintenant que tu as fini de colorier, tu vas prendre la
ta colle et le mettre en avant du papier ou de colorier. Tu vas tourner ton marque-page et tu vas le coller en arrière, comme ceci. Et tu le tournes. Et là, il y a un cheveu. Mais là, j'ai pas trouvé. Alors, maintenant que tu as fini de coller, tu as fini ton marque-page. Et tu pourras le mettre dans ton livre, comme ça.